Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Letty, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est absolument pas prévue du tout à la base. J'ai reçu ce mastodonte, parce que je ne sais pas vraiment si vous vous rendez compte de la taille de ce colis, c'est un truc de fou. Voilà, regardez-moi ça, franchement, voilà quoi, c'est une sacrée bête. De la part de Katharina. Donc Katharina a une chaîne YouTube avec Anaïs, donc c'est Ouvrage Lumineux aujourd'hui. Je vous mettrai la chaîne en barre d'information. Regardez, donc c'est écrit là, si vous allez voir, Katharina pour Laetitia. Alors sachez que ce n'est, enfin à la base c'est pas du tout prévu. J'ai envoyé à Katharina pour Noël, normalement, un colis avec des produits de chez Action. Il n'y a pas de magasin Action en Suisse. Donc, je m'étais dit, je vais lui envoyer, je vais pas envoyer grand-chose. Hein. Je lui ai envoyé 2 DP, je lui ai envoyé des washi tape, je lui ai envoyé quoi d'autre, des cartes à diamanter. Et il me semble que c'est tout. Et je sais plus du tout. Ça a été un réel bordel. Le colis est parti, le colis m'a été retourné, le colis j'ai dû le renvoyer à Katharina. Donc en fait je voulais qu'elle l'ait pour Noël puisque je l'avais vraiment envoyé pour ça. Seulement il y a eu un problème sur le retour pour moi, c'est-à-dire que le colis est parti à Perpète-les-Bains, on ne sait pas où. Donc en fait entre le moment où soi-disant il n'y avait pas de déclaration de douane, or j'avais bien fait la déclaration de douane puisque la déclaration de douane j'ai dû la réimprimer pour réenvoyer le colis à Katharina. Enfin bref, ce qui fait que il s'est passé 9 jours entre le moment où j'ai envoyé le colis et où le colis m'a été retourné. Je voulais que Katharina l'ait avant Noël, elle l'a reçu du coup après Noël, puisque quand moi je lui ai retourné, elle l'a reçu après Noël. Mais bon, elle m'a dit que c'était pas grave, car du coup elle aurait ce qu'il fallait pour les DP Noël 2023. Et comme une fleur, à un moment donné, il y a Katharina sur Insta qui m'envoie un message en me disant, bah écoute, je t'ai envoyé un petit quelque chose. Et je vous montrerai après le petit sur le papier, enfin bref. Et donc tu verras, c'est vraiment pas grand chose. Enfin voilà, elle me donne le numéro de suivi. On est maudite, Katharina et moi, puisque elle a eu aussi un couac avec la poste suisse. Et du coup elle me donne le numéro de suivi. Alors elle me dit un petit. Vous voulez voir ce que c'est petit pour Katharina? Attendez, je vous montre. Est-ce que vous allez voir? Regardez-moi là. 4 kg 642 grammes. Ça, c'est petit pour Katharina. C'est pour moi, ce colis, il est juste énorme. Enfin bref, je l'ai reçu plutôt rapidement puisque quand il est parti, le colis est arrivé chez moi en 3 jours, il me semble. Par contre, faute à pas de chance, j'ai payé de la douane. J'avais déjà payé de la douane quand on avait fait le swap avec Anaïs et Lorraine. C'était Lorraine qui m'avait envoyé le colis. Je me rappelle, j'avais payé de la douane. Et puis bah, là, rebelote avec Katharina. Alors Katharina, toute triste, toute... enfin voilà quoi, c'est vrai que genre, quand on s'est échangé des vocaux du coup... Elle était peinée, elle dit franchement, elle dit c'est pas normal, j'ai fait ce qu'il faut pour pas que tu payes de la douane et tout, arrivé là, tu payes de la douane. Malheureusement, c'est le système français qui veut ça. Puisque regardez, elle avait mis, hein, franchement, elle dit sur la déclaration de douane, elle me dit je te mets ces cadeaux, c'est des cadeaux quoi, regardez, c'est écrit cadeau de Noël, donc voilà, description. Enfin voilà, donc normalement elle me dit bah t'aurais pas dû payer de douane quoi, puis c'est pareil, regardez ici c'est coché cadeau quoi, donc elle me dit normalement voilà quoi, c'est pas normal, t'aurais pas dû payer de douane.
franchement, c'est pas dramatique. Honnêtement, voilà, j'allais pas ne pas payer la douane pour en gros refuser le colis. Hein. Franchement, ça m'aurait peiné. C'est tout. Attendez. Hop. Voilà, c'est bon. Et du coup, Katharina me fait, franchement, j'espère que tu ne seras pas déçue de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pourquoi je serais déçue, franchement? Est-ce que je lui ai dit, c'était pas prévu que tu m'envoies quelque chose, tu m'envoies un truc. Enfin voilà, pourquoi je serais déçue? C'est un cadeau. Faut vraiment être. Non, je ne serais pas déçue d'un cadeau. En plus, quand j'ai du coup j'ai payé la douane, quand j'ai vu le poids du colis, mais je dis à Katharina, mais je dis, mais tu m'as envoyé quoi pour le poids du colis? Je dis, c'est un truc de fou, quoi. Donc, ben, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je vous garantis que les 4 kilos, on les sent bien à l'intérieur, hein. Et ben voilà quoi, c'est parti mon kiki, hein. Attendez, attendez. Voilà, on ouvre tout. Mais je vous jure, j'ai de l'appréhension pour l'ouverture de ce colis. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. C'est juste. Enfin, voilà quoi. C'est vrai, vous voyez. Allez, c'est parti. J'ai peur, je vous jure que j'ai peur de vous. J'ai peur que Katharina t'ait vraiment fait une folie, quoi. Ça me. Oh, puis c'est emballé, mais c'est pas vrai, mais t'as emballé en plus. Non, mais attendez, là, je suis en train d'halluciner total. Regardez-moi ça. Regardez. Alors, déjà, on va enlever ça. Mais c'est juste un truc de fou. Je sais pas quoi dire là. Je suis littéralement bouche bée. Donc, j'ai une petite carte. Je vais l'ouvrir. Mais regardez-moi ça, vous voyez? Je vous ai monté plus haut que d'habitude. J'ai fait un montage. Enfin, j'ai mis le trépied sur un carton, voilà. Pour que vous soyez plus haut que d'habitude. Et regardez-moi ça. Il y a une pensée, il y a une attention pour chaque enfant. Non, sans déconner, Katharina, t'as pas acheté. Du coup, je fais quoi? J'ouvre pour tout le monde ou pas? Alors, attends, parce que du coup, je vais ouvrir la carte. C'est tout joli, regardez. Alors. Ici. Attendez, je lis, hein. Bon, donc si je comprends bien, c'est aux enfants d'ouvrir leurs cadeaux. Attendez, je vais. Attendez. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit vocal à Katharina sur Instagram. J'attends qu'elle me réponde. J'ai revisionné un peu après et j'ai vu que je tremble littéralement comme une feuille à la lecture de la carte de Katharina. Voilà, alors je peux vous lire, franchement, t'es juste adorable. Katharina, je ne sais pas quoi te dire. Donc, elle me dit, ma Laetitia, j'espère que la santé est au rendez-vous pour toi, ton mari et les pirates. Ne sois pas fâchée, tu seras un de mes cadeaux bonheur, une tradition qui doit être accomplie avant mes 40 ans. Chez moi, c'est un trèfle à quatre feuilles que l'on aura si, avant nos 40 ans, on partage sans raison aucune à quatre personnes qui ont eu une empreinte dans notre chemin. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime tes présences autour de moi. Tes mots me touchent profondément. Je te souhaite le plus de bonheur possible, la santé, la joie, l'amitié et tout ce qui peut t'apporter un sourire.
plein d'amitié, Katharina. Voilà. Alors, elle m'a fait un petit menu. Je vous montre. Hop. Alors, la première chose, déjà, il n'y en a pas que pour toi, donc tu ne peux pas te fâcher. Alors, je vais attendre ta réponse, Katharina. Je peux ouvrir, je pense, celui pour Tristan. J'ai vu qu'il y en avait un pour Tristan. Aidez-moi ça. C'est emballé, il y a... Là, franchement, tu me tues, Katharina. Alors... Je vais essayer de pas trop trembler, mais ça, c'est pas gagné, c'est pas promis. Donc, Tristan, je peux l'ouvrir. Par contre, c'est vrai que j'attends sa réponse, parce que si c'est aux enfants d'ouvrir leur cadeau, je ne veux pas leur gâcher ce plaisir. Je pense que vous pouvez comprendre. Alors, en plus, regardez-moi ce papier. Il y a écrit plein de petites choses très, 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 très gentilles. Très, voilà, happiness, silence, peace, trust, confidence, energy balance, sensuality, ouais. Et love, comfort, happiness, trust, health, dreams, enfin bref, rêve, idée, énergie, confidence, amour, confort, sensualité, ouais, énergie. Joie, satisfaction, courage, enfin bref, ce papier est magnifique, je trouve. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Peut-être me décaler un petit peu. Ah, t'es trop forte! Regardez-moi ça! C'est trop mignon pour un mini gamer. Oh purée, on a fait de la musique hein. Oh purée, j'adore, merci pour Tristan, t'es adorable. Enfin merci à toi et merci à ton chéri hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est trop chou. Donc une petite manette d'éveil musical, il va adorer je pense. Il va adorer, surtout qu'il attrape tout là, alors je te raconte même pas, ça fait de la musique et tout. Ça fait de la lumière, il y a une lumière ici, enfin il va kiffer quoi, il va kiffer. Franchement merci beaucoup, t'es juste adorable. Et alors attendez, parce que il y en a aussi pour, voilà, si je dis pas de bêtises, ici c'est pour Léandro, ici on a pour Gabriel. Et me dis pas que c'est un Lego hein. Me dis pas que tu lui as acheté un Lego quand même. Ici, c'est pour Victor. Et alors, franchement, là, tu me fais littéralement halluciner parce que tu as bien mis Victor avec un K. Là, c'est quoi? C'est Livio. Non, mais sérieux. T'es sérieuse, Katharina, quoi. Non, mais... Et t'as même bien écrit Aiden. T'as écrit Aiden avec le I tréma. T'as pas mis le Y, quoi. Mais non, mais c'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc ça, c'est pour les enfants. Je vais les mettre de côté. Je vais attendre la réponse de Katharina. Et puis voilà. Et alors, après, à l'intérieur... J'arrive. À l'intérieur, on a le reste avec donc le menu. Et sur le côté, ici, j'ai une tralée de stickers, regardez-moi ça. Oh purée, et ça, alors ça, les loulous, ils vont kiffer ça. Ils vont kiffer, ils adorent, ils en collent partout quoi. Dès qu'ils font des dessins, ils collent des stickers. Ah, franchement, merci beaucoup. Je vous laisse, je vous mets en pause, je vais voir mon petit lapin là, et on continuera la vidéo après. Voilà, je vous reprends. Et donc, on poursuit. Pour du bonheur, il faut du vieux, du neuf et pourquoi pas du bleu. Pour le neuf, j'espère ne pas me tromper et que tu n'as jamais essayé ce qui est dans le paquet 1. Le paquet 1, c'est celui-ci. Voilà, on retrouve le trop trop beau papier là.
que vous êtes bien comme ça peut-être. Qu'est-ce que c'est déjà? Je suis incapable de dire. Qu'est-ce que tu m'as concocté? Non, je n'ai jamais essayé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ici, j'ai purée. Alors ici, on est sur une broderie. Voilà. Alors désolé, mes ongles, hein, ils sont tout cassés là, c'est pas beau. Et c'est de la broderie, vous voyez. Je sais plus comment c'est. Comment ça s'appelle? Oh là là. Donc on est sur un modèle comme ça, c'est fleuri. Hop. On a les instructions. Non, non, j'ai jamais essayé ça du tout. Ça m'a toujours interpellée. J'ai jamais essayé. D'accord, on a le regardez, on a le modèle qui est brodé dessus. Et après, on a les explications. Donc, il y a les fils. Et on nous explique, c'est de la broderie piquée, quelque chose comme ça, je crois, je sais plus. Donc, on a du French knot, du backstitch. Et après, ouais, c'est ça. Ça m'a toujours interpellée, j'ai toujours voulu tester. Et du coup, bah, ça va être l'occasion. Franchement, merci. Le modèle, en plus, il est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katharina. Oh là là. Alors, attendez, du coup, je vais essayer de ranger ça bien quand même, hein, parce que... Donc, voilà pour le premier. Et du coup, pour le deuxième, alors, ça, j'ai jamais essayé du tout. Alors, on va découvrir. Hein. Oh là là, alors, attention. Mais... ça, franchement, c'est pareil, ça m'interpelle. Alors, déjà, ça se présente, le fil, il est comme ça. C'est quoi? C'est des fils de... C'est de la laine, hein? C'est de la laine en coton, il me semble. Donc là, on a, je suppose, le petit crochet pour insérer à l'intérieur. Et ici, du coup, j'ai les instructions et le modèle, c'est ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Franchement, le petit nuage avec l'arc-en-ciel là, c'est juste trop cute. Et ça donne ça au niveau du résultat. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est trop mignon. Et du coup, j'ai les instructions. J'ai vu ici. On nous explique comment faire. D'accord. Donc là, j'ai les instructions. Pareil, je vais tester, je vais essayer. Il est trop beau le modèle, j'adore, merci beaucoup. Franchement, ça ira dans une des chambres des enfants. Je suis trop contente, c'est l'occasion pour moi de tester. Et voilà, on verra ce que ça donne au niveau du résultat. Franchement, merci. Alors en plus, c'est comme une, voilà, j'ai tout déballé parce que je voulais voir ce que ça a donné. Et j'espère que je vais réussir à tout ranger. En tout cas, c'est pas gagné. Mais les couleurs sont trop belles. Regardez-moi ça, on a du rose, du bleu, du blanc. On a un verre d'eau ici, juste magnifique. Donc, bah, à tester quoi. À tester. Merci, franchement, merci beaucoup, Katharina. C'est pas bien. Je vais faire quoi, moi, après? Hein? Ben, je vais me venger. En plus, tu me dis, tu vas avoir 40 ans. Ben, alors là... Tu peux être certaine de chez certaine que tu vas avoir le retour. C'est obligé. C'est obligé. Ah, ça, fallait pas me dire que tu allais avoir 40 ans. Hein. Oh là là. En plus, du coup, je vais pas le faire. Je pense, moi-ci, ça va pas être possible. Mais alors. Ouais, c'est ça. Hein. Février, mars. Peut-être avril, parce que du coup, je vais quand même te faire un chouette truc. Attends-toi un retour. Hein. De toute façon, je te l'ai dit. Hein. M'avait dit que c'était un petit truc. C'est pas un petit truc, ça. Donc, on passe au numéro 2.
Pour le vieux, j'espère. Non, pour le vieux, n'importe quoi, j'ai relié au-dessus. J'ai pris quelque chose que je suis certaine que tu as déjà testé. Pour le vieux, et j'ai du mal. Oh là là. Pour le vieux, j'ai pris quelque chose que je suis certaine que tu as déjà testé. C'est le 2. Alors, le 2. Le 2. Voilà. Et allons-y. C'est parti. Du point de croix. C'est du point de croix, c'est ça? Allons-y. Ah non, non, non. Attends. C'est quoi ça? Il n'y en a pas. Un, ni deux, ni trois, mais il y en a quatre. Il y en a quatre. Mais tu me fais quoi là, Katharina? Quatre. En plus, on est sur des kits Joy Sunday. Voilà. Et on est sur des kits saisonniers. C'est trop bien. Franchement, j'adore. Ils sont trop beaux les modèles. On est sur des kits de saison, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, là, on est sur le kit hiver. J'adore. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. En plus, c'est bien. C'est pas trop grand. C'est du 16 par 16. Il est trop beau. Donc, voilà. Franchement, je vais essayer vraiment d'en faire un par saison, quoi. Ça serait vraiment bien. Bon, pas là, pas l'hiver, parce que du coup, l'hiver est déjà bien, on a déjà bien entamé. Mais franchement, pourquoi pas là faire après celui du printemps. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Ici, on a l'été. Franchement, regardez, le petit moulin, la petite maison et tout, c'est trop fort, quoi. En fait, c'est la même scène qui est déclinée sur toutes les saisons. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et l'automne. Voilà. Mais c'est vraiment. Et c'est trop beau, quoi. En plus, je vois que c'était quand même des points assez au niveau bloc sur le ciel et tout. Franchement, si je me débrouille bien. Je peux réussir à les faire sur un par saison, quoi. Si je me débrouille bien, si j'arrive vraiment à trouver le temps et tout, franchement, ça c'est vraiment quelque chose que je peux faire sur les saisons. Et en plus, c'est du 14 CT, donc j'aime beaucoup le 14 CT. Je préfère au 11 CT. Le 11 CT, c'est un peu trop gros, je trouve. Là, c'est du 14 CT, c'est juste parfait, quoi. Si je me débrouille bien, franchement, je peux vraiment essayer. De faire les quatre kits, un kit par saison en fait. Donc, et pourquoi pas commencer par le printemps, puisque de toute façon, moi je suis du printemps en plus. Après, on enchaînera sur l'été, l'automne et pour bien finir l'année, l'hiver. Voilà, franchement, j'adore. Ils sont trop beaux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais avoir de quoi faire avec toi, Katharina. T'as décidé que j'avais pas assez pour m'occuper, c'est ça, hein? Après, pour le bleu, c'est en 3. Le 3. C'est celui-ci. Alors, allons-y. C'est parti. Le bouche. Du bleu pour mon événement bleu, c'est ça? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de tilter en fait parce que j'ai le cerveau qui est complètement un petit peu déconnecté là. Elle est trop belle. Elle est trop, 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 trop belle. Là là. Regardez-moi ça.
C'est trop trop beau, cette petite fille qui va décrocher les étoiles là. C'est trop beau. C'est trop beau. Y a même un petit lapin ici là. C'est magnifique. Effectivement, je pourrais la faire pour la combiner pour l'événement bleu. Mais il faut vraiment que je fasse que ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. On est sur encore un kit en sachet zippé. C'est trop beau. C'est du 14 CT. Et par contre, là, on est sur du 32 par 41. Je vous ai pas dit, hein, mais c'était de l'estamper avant au niveau de la toile. J'espère que c'est de, ouais, c'est de l'estamper aussi parce que sinon, c'est pas faisable. Très clairement, pour moi, c'est pas faisable. Sur un temps aussi, il me faut de l'estamper parce que c'est le point de croix comptée, ça prend, enfin, ça me prendrait tout le temps que je peux mettre dans un loisir, quoi. Elle l'a gardé, on est sur de l'estamper. Et voilà, quoi. Franchement, on est sur du 14 CT aussi. J'adore. C'est, franchement, elle est magnifique. Alors là, franchement, peut-être tu m'as pourri, Katharina. Tu m'as pourri, quoi. Sans compter que j'ai pas encore ouvert les cadeaux pour les enfants qui les ont pas encore ouverts. Et je me demande bien. Bon, pour Léandro, j'ai ma petite idée. Mais pour les autres, j'ai pas forcément fait attention. Mais franchement, Katharina, c'est trop là. C'est trop. Je vais faire comment, moi, pour me rattraper avec tout ça? Alors, et enfin, et le cœur est un extra à partager avec ton chéri. Gros bisous. Le cœur. Ça sent les... ah, comment ça s'appelle? Les lignes d'or. Si c'est ça, franchement, je partage pas. Je déconne. Oh purée, ça sent vraiment les lignes d'or et j'adore les chocolats. Bon, ma silhouette moins, hein, mais... oh là là. Oh punaise. Ah, regardez-moi ça. Hop. Et ouais. Pas loupé. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Regardez-moi ça. Merci beaucoup. Et puis, t'as pas pris la petite boîte. Hein. 500 grammes. T'as pas pris la petite boîte. Hein. Regardez. 500. Merci infiniment, ma belle. Franchement, je sais pas quoi te dire. Là t'as quand même mis mes nerfs, enfin quand j'ai lu ta carte t'as quand même mis mes nerfs à rude épreuve. C'est catastrophique. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis dans la vidéo, mais alors c'est encore une vidéo qui va durer une éternité, donc voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais couper. Je vais aller voir si Katharina m'a répondu. Et je reviendrai quand j'aurai la réponse de Katharina. Donc à tout de suite. Bon, du coup, je vous reprends. Katharina m'a dit que je faisais comme je voulais. Alors, je vais les ouvrir. Faudra juste que je ne me plante pas dans, pour les donner aux gosses. Franchement, je crois que quand les enfants vont rentrer ce soir, ils vont être... Quand je vais leur dire qu'on a pensé à eux et que Katharina leur... Ils vont être fous, les pirates. Ils vont être fous, mais... Enfin, bref, voilà. Alors, je vais pas... je vais ouvrir, mais on va pas non plus s'attarder plus que de raison, parce que la vidéo est déjà bien longue. Mais donc là, on est sur le cadeau de Victor. Après, et il va être fou. Il va être fou.
Alors, attendez, parce que du coup, je fais des bouts de papier, mais ça va vous embêter. Donc, on est sur un kit pizzaiolo. Il va adorer. En plus, il a à fond là dans la, dans les trucs. Vous savez, les jouets d'imitation. Là, je vous l'ai dit pour Noël. Il avait réclamé une nursery, poupée, enfin bref et tout. Et enfin bref, on m'a dit, mais ton garçon, c'est pas une fille, quoi. Il va pas jouer à la maman, bah si, mais il va jouer au papa, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, il va être fou, il va être fou. En plus, il adore les pizzas. Et voilà, il y a vraiment le four à pizza, il y a les sauces, il y a franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà pour Victor. Je vais peut-être écrire au-dessus, vous savez quoi, j'ai de peur de me planter en fait. Je vais mettre un V pour Victor dessus, je vais aller chercher un stylo. On poursuit avec Leandro. Hop. Et du coup... Je crois avoir deviné, hein. Sans certitude, mais tout à l'heure, je pensais à un Lego au vu du bruit. Voilà. Oh purée. Alors, attention. Et c'est presque ça, oui. C'est un kit pour... c'est comme des Lego, quoi. Regardez-moi ça, en plus c'est une voiture, elle est rouge, il va être tout fou, il va être tout content, il va adorer, il est à fond dans la période construction en ce moment, donc franchement, pareil quoi, il va adorer quoi, puis elle est sympa, franchement, véhicule à construire, et il y a 216 petites briques quand même, hein. Il va être content, il va y avoir de quoi faire, je vais mettre un L pour les Andro, comme ça. Voilà. Gabriel. Voilà. Alors, attention. Bon, après. Enfin, oh. Et... Bon, alors là. Il va être trop content. Il va adorer, c'est pareil Gabriel, on est à fond dans la période voiture, construction, voilà quoi, il essaye vraiment plus de suivre les modèles, de s'appliquer, de bien faire les choses. Donc pour tout ce qui est le côté psychomoteur, voilà quoi, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Je te dis combien de fois merci là-dedans. Plein de fois, hein, c'est obligé. En même temps, avec tout ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Livion. Allons-y, c'est parti, mon kiki. Oh. En plein dans le mille aussi. Et franchement, chapeau bas, hein, Katharina, là... En plein dans le mille, petit bricolo, c'est pas loupé non plus. Franchement, voilà, il va adorer. Mais comment t'as fait, Guy? Il y a, voilà, t'as des pouvoirs magiques. Merci, franchement, merci, 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 merci. Du coup, j'ai mis un V. Donc ça, c'était pour Olivio. Et là, on passe à Aidan, le dernier. Parce que franchement, voilà quoi, la vidéo va encore durer un petit moment. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Okay. Et ben, t'es folle, Katharina. Ils sont hyper sympas, ces circuits. En plus, je sais qu'on peut les manipuler dans le sens qu'on... Enfin, voilà, c'est pas rigide, en fait, voyez, voilà. Donc, on peut faire soit une sorte de roue comme ça, soit c'est... Enfin, c'est modulable, en fait. On fait vraiment comme on veut. Et il y a la petite voiture avec
Bah, il va être ravi. Oh, désolé, il y a Tristan derrière. Franchement, Katharina, je sais pas quoi te dire. J'avoue que les mots me manquent. Quand je vois, regardez-moi tout ça, quoi. C'est juste dingue, quoi. On est une famille nombreuse. T'as pensé à tout le monde, quoi. C'est un truc de fou. Il y a quelque chose pour chaque enfant. Que dire de tout ce que tu as pris pour moi? T'as même pensé à partager une petite pensée pour le partage chocolat avec le chéri. Non, mais c'est juste dingue. Je sais pas quoi te dire. T'es complètement... T'es faux folle, hein, dans le bon sens, hein, bien sûr. Mais enfin, j'avoue que les... les mots me manquent, désolé. Les mots me manquent, voilà. Bon, du coup, j'ai pris mini pirate à bras, puisque là, c'est bon, j'ai tout ouvert. Je me répète, hein, mais... ouais, t'es faux folle, hein. T'es faux folle, Katharina. Écoutez... c'est ça. Alors, on a déjà échangé, hein, mais tu sais très bien que je vais arriver en message. Je pense que tu le sais, hein. Enfin, voilà. La vengeance est un plat qui se mange chaud de préférence, quand même. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour... voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, quand j'ai lu la carte, honnêtement, enfin, ça a été... ça a été beaucoup d'émotions pour moi. Donc j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Franchement, encore un énorme merci à toi, Katharina. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. D'une main, je vous dis au revoir.